Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite astuce sous iOS 13, 14 avec votre iPhone. Et si vous entendez enfin quand votre iPhone est branché ou débranché, si vous avez une base à induction, parfois on a du mal à positionner correctement notre iPhone. Et si votre iPhone vous donnait un message comme quoi il est correctement branché, comme ici. C'est parti, on va le mettre sur sa base de recharge. Ouf, merci, il était enfin un peu de batterie. Et si maintenant j'enlève l'iPhone de sa base? Merci pour ce peu de batterie, vérifiez quand même le niveau, belle journée. Alors si vous désirez savoir comment on fait cela, nous allons voir donc ensemble comment créer ce raccourci pour le branchement et le débranchement de votre iPhone. Le petit message que vous allez vous-même créer, ça va être donc Siri qui vous parle et qui vous donne ce petit message. Donc pour ceci, on va se diriger sur l'application Raccourci. Raccourci. On l'ouvre. Une fois que vous avez ouvert Raccourci, vous partez tout en bas, au milieu, il y a trois onglets, dont un qui se prénomme Barre d'onglets, Automatisation, onglet. Automatisation. Vous validez cet onglet. Une fois que vous avez validé cet onglet, vous cherchez le bouton qui porte le nom de Créer une automatisation perso. Bouton. Créer une automatisation perso que vous validez. Une fois que vous êtes entré dans ce bouton, vous vous dirigez tout en bas de la page. Pour cela, vous sélectionnez un choix au hasard sur votre page et ensuite, vous faites glisser trois doigts du bas vers le haut de votre iPhone. Rang 8 à 17 sur 19. Rang 11 à 19 sur 19. Une fois que vous êtes arrivé tout en bas, vous prenez le choix Adaptateur secteur, exemple. Lorsque mon iPhone est branché sur secteur, bouton. Adaptateur secteur que vous validez avec un double tap d'un doigt. Quand ? Alors, prenez l'habitude de partir toujours du haut gauche de votre iPhone pour circuler dans une fenêtre avec VoiceOver. Donc, nouvelle automatisation, en tête, suivant, bouton, quand ? Alors, quand ? Adaptateur secteur. Adaptateur secteur. Sélectionnez, est branché. Bouton. Sélectionner et brancher. Est débranché. Bouton. Et ici, il faut bien vérifier que ce bouton n'est pas coché. Vu qu'il n'est pas annoncé. Sélectionner. Est sélectionné. Est branché. Sélectionner. Est débranché. Bouton. Il vous le dit bien quand c'est sélectionné et il vous dit rien quand c'est pas sélectionné. Est branché. Bouton. Comme ici. Donc nous, on va prendre quand notre adaptateur est branché. Sélectionner. Est branché. Une fois que vous avez choisi ceci, vous partez complètement en haut à droite sur suivant, bouton. Suivant que vous validez. Suivant. Une partie de notre script est déjà bien commencée. Quand notre adaptateur est branché, qu'est-ce qu'on veut faire? Il faut donc ajouter une action. Une action. Vous cherchez le bouton ajouter une action. Vous cherchez donc le bouton tout en bas ajouter une action que vous validez tout de suite. Ajouter une action. Vous arrivez dans une fenêtre où il vous faut chercher la zone d'édition qui se trouve tout en haut, juste après le bouton. Action, en tête, suivant, bouton, contrôleur d'action, tableau en plein écran, rechercher apps et action, champ de recherche. C'est ici, dans ce champ de recherche, que vous allez taper énoncer le texte. Vous validez un double tap d'un doigt. Champ de recherche, modification. Et maintenant, avec un double tap de doigt rapidement, énoncer le texte. Insertion de énoncer le texte. Vous lancez la reconnaissance vocale. Double tap de doigt rapidement, on lance la reconnaissance vocale. Double tap de doigt rapidement, on arrête la reconnaissance vocale. Une fois que vous avez terminé votre reconnaissance vocale, il faut rechercher le bouton tout en bas, le dernier. Énoncer le texte. Bouton. Énoncer le texte. Toucher deux fois pour ajouter. Que l'on valide. Spéa texte ajouté au ajouter une action. Maintenant, on arrive sur l'avant-dernière page. Nouvelle automatisation. On part complètement en haut à gauche de notre iPhone et on part sur la droite. Action, en tête, suivant, bouton, document, action, énoncer le texte, en tête, énoncer, texte. Balayer l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner une action personnalisée puis toucher deux fois pour l'activer. Donc nous, on veut mettre un texte à énoncer ici.
Donc ce que je vais faire, je vais glisser un doigt du haut vers le bas. Modifier texte. Rapidement. Je viens d'entendre modifier texte, que je valide deux fois rapidement avec un doigt. J'ai maintenant la possibilité de mettre un texte. Double tape avec deux doigts pour lancer la reconnaissance vocale. Ouf, je n'avais pratiquement plus de batterie. Merci mon ami, abonnez-vous, ça fait plaisir. Insertion de Ouf, je n'avais pratiquement plus de batterie. Merci mon ami, abonnez-vous, ça fait plaisir. Une fois que vous avez mis votre message, vous partez complètement en haut à droite. Suivant, bouton. Sur le bouton suivant, double tape un doigt, on valide. Suivant, document, énoncé. Très important les amis, attention, super important, le dernier bouton qui porte le nom de... Demandez-les avant d'exécuter, bouton, activé. Ce bouton par défaut est coché, il faut le décocher. Double tape d'un doigt. Avertissement, ne pas demander avant d'exécuter. Et on lui dit... Lorsque cette automatisation est déclenchée, elle effectue des actions à votre place sans vous demander au préalable. Ne pas demander, bouton. Et on coche... Et on tape sur ne pas demander. Bouton de demandez-les avant d'exécuter. Bouton désactivé. Maintenant, notre bouton est désactivé. On est correct. On part complètement. Surtout, ne jamais oublier à la fin de ce script de partir en haut à droite sur le bouton. Ok, bouton. Ok, pour valider votre script. Une automatisation terminée. On va faire notre seconde automatisation un peu plus rapidement. C'est parti. On part complètement en haut à droite. Ajouter une automatisation. On part sur le bouton. Créer une automatisation perso. Créer une automatisation perso. On valide. On part tout en bas. Rang 8 à 17 sur 19. Rang niveau de l'adaptateur secteur. Adaptateur secteur. On valide. Un doigt. Quand. Double tape d'un doigt. Quand maintenant. Sélectionner. Est branché. Bouton. On désélectionne celui-ci. Est branché. Est débranché. Bouton. Et on sélectionne quand on est débranché. Sélectionner. Est débranché. Si je pars un petit coup à gauche. Est branché. Bouton. Il n'est pas sélectionné. Vérifiez bien que l'un des deux n'est pas coché pour avoir un bon script correct. Je pars maintenant sur le bouton en haut à droite. Suivant. 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 Mon script avance. Je vais sur le bouton. Ajouter une action. Ajouter une action que je valide. Je recherche ma zone d'édition. Rechercher abcès action. Champ de recherche. Je valide. Recherche. Je tape deux fois. Je tape deux fois deux doigts rapidement pour énoncer le texte. Pensif. Insertion de énoncer le texte. J'ai maintenant énoncer le texte. Mon bouton énoncer le texte. Spéa texte ajouté au que je valide. Je me positionne sur document énoncer texte. Balayer l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner une... Énoncer texte. Je balaye mon écran d'un doigt du haut vers le bas pour avoir... Modifier texte. Modifier texte que je valide tout de suite avec un double tap d'un doigt sur l'écran. Mon clavier apparaît. Merci mon ami. Maintenant, j'ai de la batterie. Mais vérifie quand même ta batterie en posant ton doigt en haut à droite. Abonnez-vous les amis si cette vidéo vous a plu. Insertion de merci mon ami, maintenant j'ai de la batterie, mais vérifie quand même ta batterie en posant ton doigt en haut à droite. Abonnez-vous les amis si cette vidéo vous a plu. Mon script est terminé, je pars complètement en haut à droite sur le bouton suivant. Suivant. Que je valide. Dernière fenêtre, attention, pensez bien à la dernière fenêtre, allez décocher la case. Demandez avant d'exécuter, bouton. Demandez avant d'aller exécuter, c'est super important, sinon votre script ne voudra rien dire. On la décoche. Avertissement. Ne pas demander avant d'exécuter. Lorsque c'est automatique, ne pas demander. Bouton. Et je clique sur ne pas demander. Bouton de retour. Dernière étape. Bien penser à aller sur le bouton en haut à droite OK pour valider votre script. OK. Bouton. Vous êtes magnifique. Vous avez réussi à faire vos deux scripts. Mais attention. Une petite astuce fait que... Attention les amis. Petite astuce. La problématique, c'est que lorsque... Vous allez maintenant connecter votre iPhone. Écoutez ce qui se passe. Raccourci. Maintenant, ouf, iPhone je n'avais pratiquement plus secteur, de batterie. Merci mon ami. Abonnez-vous, ça fait plaisir.
Le problème, c'est qu'il y a un petit conflit entre Siri et VoiceOver, puisque une notification apparaît en haut, et cette notification est lue par VoiceOver, donc perturbe la lecture de Siri sur votre notif, sur votre branchement ou débranchement. L'astuce est d'aller désactiver la lecture des notifications de raccourci. Pour cela, vous vous dirigez sur Réglages, vous rentrez. Ensuite, vous vous dirigez sur Temps d'écran. Temps d'écran, bouton. Que vous validez. Réglages. Une fois sur Temps d'écran, vous allez sur votre fenêtre du haut et vous partez, vous cherchez vers le bas. Voir toute l'activité, bouton. Voir toute l'activité que vous validez. Sélectionner, semaine. Une fois que vous êtes entré dans Voir toute l'activité, vous avez un bouton semaine. Jour, bouton. Et un bouton. Et un bouton jour. Sélectionner, jour. Actionnez le bouton jour par défaut et revenez sur le bouton semaine. Semaine. Sélectionner, semaine. Ce qui permet en fait de rafraîchir cette page. Ensuite, vous descendez et vous cherchez tout en bas de la page l'intitulé notification. Rang 6 à 16 sur 22. Notification en tête. Notification. Donc une fois que vous avez trouvé notification, vous continuez à descendre. Raccourci, 5 notifications, bouton. Et vous arrivez sur le choix raccourci. Vous rentrez à l'intérieur. Autoriser les notifications, activé. Et vous allez avoir autorisé les notifications. Vous décochez cette case. Désactivé. Et c'est fini, les notifications ne vous embêteront plus. Vous pouvez fermer. Alors attention, si vous cliquez sur raccourci et que ça ne s'ouvre pas tout de suite, attendez quelques instants, retapez dessus, raccourci va s'ouvrir et vous pourrez désactiver les notifications sans problème. Voilà, donc ce qui est intéressant par rapport à ce procédé, c'est que si vous avez donc une base à induction, vous saurez si vous avez toujours correctement branché ou débranché votre iPhone. On connecte notre iPhone. Ouf, je n'avais pratiquement plus de batterie, merci mon ami, abonnez-vous, ça fait plaisir. Comme vous avez pu vous apercevoir, aucune notification est apparue, je le déconnecte. Merci pour cette charge, surtout n'hésitez pas à aller voir en haut à droite pour que VoiceOver puisse vous dire le niveau de batterie. Bonne journée, abonnez-vous les amis. Je vais vérifier à droite. Charge de la batterie, 47%. Voilà pour cette petite automatisation qui va égayer le branchement et le débranchement de votre iPhone. C'est cool, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà testé cette manière de faire. Et surtout, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo astuces iOS iPhone Siri. Bisous à tous, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous.